Bien salut à tous et à toutes, c'était TGC et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. La dernière fois on était arrivé dans la zone de l'Anel, on était arrivé devant le Temple du Temps qui était bloqué par un éboulement et du coup on avait dû... on n'avait pas pu rentrer et on nous avait dit de nous rendre à la raffinerie de l'Anel. Donc, puisque la raffinerie de l'Anel comportait un chemin souterrain pour rejoindre le Temple du Temps. Et donc c'est ce que nous allons essayer aujourd'hui de faire, de rentrer dans cette raffinerie de l'Anel, donc le troisième temple du jeu. Comme je l'avais dit à la fin de l'épisode précédent, je suis remonté rapidement dans le ciel pour aller réparer mon bouclier. Vous l'avez peut-être sans doute déjà remarqué. Puisque bah, il me fallait ce bouclier. Enfin, il me fallait le réparer vu qu'il était bien endommagé. Et alors là, voilà. Maître Link, feuille rapport. Vous vous trouvez sur des sables mouvants dans lesquels vous ne pouvez pas vous enfoncer. Je vous conseille de consulter votre carte. Les voies qui étaient là autrefois sont actuellement enfouies sous le sable mouvant. Vous pouvez donc marcher dessus sans risquer de vous enfoncer. Je vous conseille de passer des balises sur votre carte pour repérer les voies d'autrefois et les emprunter. Je vous conseille d'utiliser plusieurs balises. Et du coup, maintenant, on a 5 balises. Ce qui est plutôt pas mal. Et vous voyez que là, je ne m'enfonce pas alors que je marche normalement. Bon, il n'y a rien par là-bas, donc ça sert à rien. Du coup... on peut marcher comme ça dans le sable, ce qui est plutôt pratique en réalité. Et ici, on a un espèce de mécanisme. Et une statue. Qu'on va immédiatement activer. Je suis allé également, j'en ai profité pour aller activer la statue à l'entrée du désert que je n'avais pas activée. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et on a une petite chronolithe. Avec bien évidemment deux ennemis derrière. Voilà. Bon, je vais pas aller récupérer le cœur, c'est pas grave. Il y a un tabouret juste à côté. Donc ça me permet de vous montrer comment on se régénère facilement son énergie vitale. Qui es-tu? Ceci est le générateur qui contrôle l'entrée de la raffinerie de l'Anel. Il est impossible d'ouvrir la raffinerie sans la combinaison composée de trois symboles. J'ai détecté dans les environs des matériaux identiques à ceux qui composent ce générateur. Vous pouvez les localiser à l'aide de cette détection. Très bien. Alors, normalement, je sais où sont les trois symboles. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien, à part une paire d'ombres. Et comme j'ai redémarré la console, je me tape la cinématique. Oui, du coup, vous voyez que j'ai pas mal de fleurs anciennes aussi, parce que bah, j'ai dû refaire le chemin, certains chemins. Donc, ça m'a permis de récupérer pas mal de matériaux. Et honnêtement, on va pas dire non. Alors... juste là. Pam. Et voilà, vous voyez qu'avec la détection, ça nous indique pile ce bâtiment. Ha.
Ah, des bombes. Et bien évidemment. Voilà. Un petit coffre. Parfait, merci Ling, Faye de me couper. Notre Ling Faye aura pour mon analyse indiqué, il est possible d'accéder à générateur en lui fonçant une source d'électricité. Heureusement que mon coup de grâce a compté. Et donc la source d'électricité elle est juste là. Bon. Aïe. Allez. Voilà. Tu cherches la combinaison pour entrer dans la raffinerie de l'Anel. Ton accoutrement très étanche, je ne donnerai jamais la combinaison à un individu aussi suspect. Ne t'amuse pas à toucher au générateur, surtout ne va pas y planter ton épée. Et donc on a le premier symbole. Ah oui, c'est ici où il y a un coffre. Alors, pour avoir le coffre, il faut repasser dans le présent. Et pour ça... Bon bah, plutôt tant mieux. Et une plume bleue. Bon bah, tant mieux. J'avais peur en fait qu'en m'enfonçant dans le sable, on revienne à l'entrée de la salle. Et donc là, bah, bien évidemment...
Et voilà. Et un rubis rouge, je dis pas non. Perfect. Donc on a le premier symbole. Maintenant il va falloir trouver les deux autres. Et c'est pas très compliqué. Hop, de toute façon on voit que là-bas il y a un bâtiment. Et bon, il y a un des symboles. Et l'autre symbole, si je dis pas de bêtises, voilà, il est là. Parfait, j'ai trouvé le générateur, par contre il y a forcément une chronolithe. Voilà. Puisqu'on ne peut pas activer les générateurs dans le présent, bien évidemment. Et on voit d'ailleurs la voie sur laquelle on marche. Vous voyez, c'est cette espèce de truc qui est enfoncé dans le sol. On tourne, on enfonce. Et deuxième symbole trouvé. Donc c'est le symbole de l'eau. Et donc il nous manque le dernier symbole. Perfect. Alors, donc celle-là, on n'en a plus besoin de balise. Et là, normalement, on va pouvoir passer par là. On voit qu'il y a un cube de la DS, mais celui-là, je crois pas qu'on puisse l'avoir de suite. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Et je ne dis pas de bêtises. Ça qui est fort, c'est qu'il y a... Voilà, donc là c'est une voie sur laquelle on peut marcher. Et derrière ce mur, il y a un fragment de cœur. Et oui. Il y a un fragment de cœur juste ici. Et en fait, c'est le chemin qui permet de conduire au cube de la DS. Mais en fait, il va nous manquer un objet. Aïe. Je crois qu'il y en a un plus gros d'ailleurs, plus loin.
Fire. Parfait. Et juste à côté. Le fragment de cœur. Hey, il m'en manque plus qu'un. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais juste faire le plein de bombes. Et oui, on voit ces espèces de cibles depuis le début hein, quand même. Bon, je pense que non plus vous n'êtes pas... Si vous avez déjà joué à Zelda, vous savez très bien quel objet il nous manque. Sinon, je ne le dirai pas comme ça. Pas de spoil. Vous le découvrirez en temps voulu. Et voilà. Donc on a récupéré notre petit fragment de cœur. J'ai pas eu le temps de parer, je voulais le virevoltant. Je voulais le virevoltant. Et bah au final j'aurais eu un cœur en moins. Deux fourmis de l'anel. Mine de rien, on commence à avoir pas mal d'insectes. Hein. Et il y en a un qui vient de fuir. Parfait. Alors juste ici, on a une statue. Et juste ici, en fait, on va ouvrir le raccourci vers l'entrée. Donc voilà, maintenant, à partir de maintenant, en fait, on peut totalement faire le tour du désert. C'est-à-dire que sur la carte, au début, on arrive de là. Et on est passé comme ça, tac, 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 pour revenir jusqu'ici. Et du coup, on a pu... Bah maintenant, on peut passer dans n'importe quel sens. Parce que c'est une zone relativement circulaire. Vous l'auriez remarqué. Dans tous les cas, avec les statues, on va pas souvent circuler dans le désert. Donc là, on est comme dans le... Comme pour l'électricité, enfin pour le premier symbole. Ah là. Pas du tout ce que je voulais faire. Allez, une connie. Voilà. Parfait, bon, c'était logique qu'elle serait en plein milieu.
Merci. Ah, un crâne décoratif. Et un cœur. Alors, une autre technique que je vais vous montrer de suite, c'est ceci. Et vous voyez que le scarabée, lui, n'y est pas sensible. Hop là. Ah mince. Et en fait, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Je pensais qu'en fait on pouvait grimper, mais non, c'est le chemin de retour. Ah voilà. Allez, viens ici. Est-ce que ça a suffi pour la tuer? Oui. Allez, vite, vite, vite. Ouf, c'était limite. Voilà, et en fait, c'est de là... Je vais devoir faire ceci. Et voilà. Donc ouais, il faut d'abord passer en fait. Alors, des coffres, qu'est-ce qu'on obtient? Espoir un truc intéressant. Un corps de masse, bon ça va, on en a pas 36 milliards de ça, donc... Mais là on va avoir un rubis. Voilà, bon bah super. Allez. Le dernier symbole. Le symbole du feu. Mettre
4 Link Fire Rapport, vous avez découvert les 3 symboles. Retournez au générateur qui se trouve devant la raffinerie de l'Anel. Très bien, mais avant, je veux ce coffre. Très bien, du minerai d'ordine. Super. C'est pas comme si du tout on en avait trouvé 46 milliards au volcan d'ordine. Voilà, le raccourci qui est débloqué, mais on s'en fout un peu. Bon. Et ben, y a rien d'autre dans cet endroit. Du coup, on va retourner au niveau du générateur. Et comme je suis flemmard, on va passer par le ciel. Puisque tout simplement, en fait, en remontant et en redescendant, on peut choisir le point où on atterrit. Du coup, il suffit juste de réatterrir devant la raffinerie de l'Anel. Hop là! Et voilà. Donc vous voyez qu'on en a quand même pas mal. Entrée du désert, entrepôt du désert, et nous c'est le nord. Oui. Et voilà, comme ça m'évite tous les ennemis qui sont sur le chemin. Et ça prend autant de temps. J'ai trouvé les 3 symboles à la combinaison, mais il ne suffit pas de les avoir trouvés pour ouvrir la raffinerie. Alors je crois qu'il nous le dit si on se trompe, mais bon. On va le faire. En fait, vous voyez que là, en fait, on va pouvoir positionner nos symboles sur l'espèce de roue qu'on a devant nous. Et en fait, il y a une combinaison, donc il y a un code à faire, 3 positions à trouver. Et pour les trouver, en fait, il suffit juste de regarder la carte. Vous voyez qu'on a les symboles qui sont notés. Donc on voit que, par exemple, en fait, les voies représentent les mêmes traits que le générateur. Donc en fait, le feu est tout en bas à droite. Et l'eau est juste un cran avant. Et la foudre en plein milieu. Donc l'eau est tout en bas à droite, on a dit. Non, l'eau est de l'autre côté, oui, d'accord, ok, très bien. Alors, c'est pas évident. De 1. Voilà, de 2. Et on met la foudre tout en haut. Et voici donc la raffinerie de l'Anel qui apparaît sous nos yeux ébahis. Tu as réussi à déchiffrer la combinaison, je suis impressionné. Voici la raffinerie de l'Anel, c'est ici qu'on travaille le chronolithe, elle est toujours aussi impressionnante. Et donc les amis, voici le 3e temple du jeu.
juste devant nous. Et vous en doutez. Aïe aïe aïe, vous en doutez, on va s'arrêter là. Vous ne verrez pas l'entrée des temples, c'est dommage. Et oui les amis, on commencera ça dans le prochain épisode bien évidemment. Donc dans le prochain épisode on commencera, je dis bien commencer, la raffinerie de la nappe, puisque normalement on la fera en deux voire trois épisodes. Parce que c'est un donjon qui est très long comparé aux deux premiers. Qui est pas forcément compliqué mais qui est très pénible et long. C'est le donjon que j'aime le moins de tout le jeu, donc en plus voilà. Et du coup j'espère que l'épisode se passera bien quand même. Donc j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite du Let's Play. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye tout le monde.